mais surtout faire passer un message. Il a comme sujet le développement durable. Est-il possible, pardon, de concilier développement durable avec une société où tout semble éphémère? Bonjour à tous. Vous savez qu'en géo, on aime tous les chiffres et les statistiques. Enfin, presque tous. Alors, pourquoi pas commencer par une statistique? 82%. 82% des Français se sentent concernés par le développement durable et ils se disent même prêts à s'engager. Pas mal, non? Ce nombre semble extraordinaire. Ce nombre semble indiquer que nous sommes sur la bonne voie. Et pourtant, il n'en est rien. Car 63% de ces mêmes personnes craignent que cela leur prenne trop de temps et même trop d'argent. Rendez-vous compte, ce sont donc des efforts qu'ils ne sont même pas réellement prêts à faire. Est-ce donc ça, notre société? À un point où nous ne sommes même pas capables de faire de petits sacrifices pour sauver ce qui nous permet d'être là, notre planète. Vous l'avez bien compris, je ne pense pas que notre société soit prête. Prête pour l'avenir. Et pour encore mieux comprendre, je vais vous en parler plus en détail. Laissez-moi vous raconter une anecdote du lycée. Durant ces années, j'ai l'habitude d'aller voir mes amis au point final. Et le problème avec ça, me direz-vous, c'est que mes amis, lorsqu'ils finissent par ces directs, ils n'ont pas tous l'envie de faire trois petits pas pour aller jusqu'à la poubelle. Et à votre avis, ils font quoi? Eh bien, ils lâchent comme si de rien n'était. Alors moi, qui suis assez exigeant avec son comportement, je leur disais « Ah! Maintenant, tu as gagné ton droit d'aller mettre à la poubelle. » Bon, bien souvent, ils ne le font pas. Mais sans rigoler, vous savez au bout de combien de temps un mégot de cigarette se désintègre? 12 ans! Regardez tout ceci. Moins de 2 minutes à fumer. Et pourtant 12 ans à s'enfumer. Mais le pire, c'est le nombre de mégots de cigarettes jetés par an dans le monde entier. 4300 milliards. Nous savons tous maintenant que notre société est une éphémère. C'est indéniable. Mais n'existerait-il des façons de faire, des solutions, des moyens que l'on pourrait mettre en place pour faire mieux? Alors des solutions, bien sûr qu'il y en a. Il y en a toujours. Il y a toujours ces hommes et ces femmes pour imaginer ces fameuses solutions. D'ailleurs, il faut que je vous parle de l'un de ces hommes, Günther Pauli. Monsieur Pauli, c'est un entrepreneur belge qui a donné naissance à un concept. Un concept qui s'inspire profondément de la nature. Il l'a nommé l'économie bleue. Pour le comprendre, il faut comprendre le fonctionnement de la nature. La nature, elle, ne produit pas de déchets. Tout ce qu'elle produit, elle le réutilise. C'est le cas, par exemple, des feuilles qui tombent des arbres, qui sont désintégrées par les organismes. De l'oxygène produit par les végétaux qui permettent la respiration. Mais ce qui est fascinant avec ce concept, c'est qu'il s'oppose complètement au modèle économique actuel qui produit beaucoup trop et recycle trop. Et c'est là que vous commencez à comprendre à quel point la nature est fascinante. Et tout ceci mène à la conclusion. Alors, pourquoi pas s'inspirer de quelque chose qui était là bien avant nous? Parce que oui, je vous rappelle, notre société, comme on la connaît actuellement, existe depuis quelques centaines d'années à peine, tandis que la nature, elle, existe depuis des milliards d'années sans peine. Tout ça pour vous dire que nous, tout est encore possible, même si notre propre société est un poids aussi lourd qu'une montagne. Car comme disait un certain Confucius, celui qui déplace une montagne commence par déplacer une petite pierre. Merci à tous.
Thank you.